Bonjour à tous les enfants de Papa Simon Kimango Kiangani. Nous voici à notre émission d'aujourd'hui, le 5 avril 2021. Une émission que nous faisons à la veille du centenaire du kimbanisme qui aura lieu demain, le 6 avril 2021 en Kamba. Comme nous vous l'avons promis, beaucoup de jeunes nous avaient écrit pour nous dire, Papa Mbote Mudila, chaque fois que nous allons à l'église, on nous prêche qu'en Lingala. Toutes les chansons qui sont chantées à l'église ne sont qu'en Lingala. Ainsi, quand nous avons vu que vous avez commencé des émissions où vous parliez de l'historique de notre église, nous étions très contents, mais malheureusement, vous aussi, vous ne faites votre prêche qu'en Lingala. Alors là, nous sommes déboussolonnés. C'est ainsi, les jeunes m'avaient demandé, à la veille du centenaire, si je pouvais faire une émission spéciale jeunesse où je devais faire un bref aperçu historique du début du ministère de Papa Simon Kimba. C'est ainsi, comme il est d'habitude, nous allons quand même saluer ceux qui nous suivent déjà et ceux qui vont nous suivre après, parce que c'est une grande journée à la veille du centenaire. Nous avons déjà vu notre fille, notre nièce, notre petite Maman Gilio Gaël a vous dit en Tunisie, elle est parmi ceux qui portent haut l'étendard du kimbanisme. Comme l'avait dit Papa Daniel, nous sommes des ambassadeurs. Partout où nous allons, nous devons porter haut l'étendard du kimbanisme. Papa Roku Alembo, vous êtes aussi parmi ces gens. Je sais que vous me suivez à partir du Maroc. D'ailleurs, dernièrement, vous m'avez bien dit que vous suiviez l'émission Toteyana avec vos amis marocains et qui voulaient aussi bien comprendre le contenu, mais malheureusement, cela était en Lingala. Et maintenant là, nous allons nous rattraper. Papa Tchola Papi Mbou, nous vous saluons aussi et vous souhaitons un bon début de semaine, cette semaine de bénédiction, cette semaine où nous allons fêter les centenaires du kimbanisme. Comme j'ai eu à le dire, nous saluons toute la jeunesse kimbangiste, surtout les jeunes de l'Europe, parce que vraiment, vous êtes en train de faire notre fierté. Au moment où nous parlons, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez payé des billets pour aller en Kamba. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Papa Simon Kimbangu, vraiment, vous réserve un avenir radieux pour que vous puissiez venir prendre la relève de cette église demain. Parce que hier, nous aussi, nous étions les enfants de nos parents. Et ce sont ce que nos parents nous ont appris, c'est ce que nous vous apprenons aussi. Parce que comme vous avez, si j'ai intitulé mon émission, Toteyana, cela voudrait dire quoi? Un enseignement mutuel. Une émission de complémentarité où chacun apporte sa petite contribution pour témoigner de Papa Simon Kimbangu. Une émission de rendez-vous qui est un rendez-vous de donner et de recevoir. Papa Mbote Mudila n'a pas le monopole de savoir si le kimbangisme lui aussi doit apprendre de vous. Comme chaque fois quand vous m'écrivez, vous me faites des petites suggestions, des propositions, comme vous veniez de m'écrire là, pour que cette émission se fasse bien en français. Ainsi, je salue toute la jeunesse kimbangiste à travers toute l'Europe, que Papa Simon Kimbangu vous bénisse. Comme nous l'avons dit, je crois que nous irons un peu rapidement. Aujourd'hui, nous allons éviter trop de messages et trop de quoi pour que
nous puissions vraiment aller à l'essentiel. Ainsi, nous allons commencer, comme d'habitude, par notre chant de commencement que Papa Simon Kimankangani a institué pour que cette chanson soit chantée chaque fois qu'on veut commencer un programme kimbanguiste. Donc, Cette chanson, Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre chef spirituel, nous l'a recommandée parce que dans cette chanson, on est en train de dire, donc c'est comme une prestation de serment que nous devons servir Dieu avec toute honnêteté, avec toute franchise. Ainsi, nous allons passer à la prière du début. Prions. Tata mwana mpe tata molimo santu. Mokolo oya le 6 avril lokola oyo tikolela na biso na nzembo. Tata nzambe mpo ete biso bato to bonga. Lokola ezalaki mposa na yo. Otinelaki biso mwana na yo Yesu Kristo. Mpo ete maebolaka na ki makokana. Nkolo na biso Yesu Kristo, mpo ete biso bato obikisama. Ondimaki kufa ya soni, babakisaki yo na ekulutu elongo na miyibi. Moko kati na bango asakanelaki yo kasi ozongisaki ye liloba moko te. Na ntina ete olingaki kosala kaka oyo boyokanaki na tata na yo mpo ete moto akoka kozwa lisusu esika kati na mitema na bino. Maso wana masalemaki na ntina na biso bato mabe. Toyebi na bolamu ete olingi kozongisa biso bato tokoka kozala na yo elongo kuna na lola esika moko na basantu na yo. Liboso ete omata na likolo, olakisaki maye mazalaki na yo epai na bayekoli na yo. Olakisaki bango posa na yo, mpe otindaki bango bakende na mokili. Mobimba, bakongola bapagano bandimi. Molimo Santo akokita mpe akozala na bino kasi bokoyeba ye te. Maloba na bino maso totakaka mango na mokanda mwa Nzambe. Na mokolo moye mwa le 6 avril, tata Nzambe Nkolo Yesu, tata Molimo Santo, toyebi ete tozali babongi liboso na bino. Pamba te tosalaka maye bolingaka te, mpe toyokisaka basali na bino soni. Pamba te maye manso bopesaki biso tomonaka yango lokola liseki. Tofukami na nse na makolo na bino mpo tomona bolingisi bwa bino. Tosi tomoni mabe na biso pamba te mokili mokomi koningana. Yango esili biso tomeka koyeba yo soki ozali nani. Lakisa biso pamba te mayele na biso mazali kaka mabomwana mpo na ntina na mabe na biso. Tala ndenge mpasi eleki biso kufa
maladie, bitumba, zala, na makambo ndenge na ndenge lisusu. Biso tozali na ekimelo mosusu te. Yo nde ebombamelo na biso. Bosalisa biso pamba te. Tozangi mosusu oyo. Akoki kozala molobeli na biso kuna bozali. Bolongisa biso na bitumba tozali na yango awa na mokili. Longola kolela na biso enkolo. Kotala masumu na biso te pamba te. Toyebi penza ete yo nkolo Yesu okufaki na ekulusu po tokoka kobianga malisusu bana na Nzambe. Tosengi timia kati na mokili mobimba. Afrika, Poto, Amerika, Asie mpe Oceania. Yo olobaki ete libanga moko ekoki kotikala lisusu likolo na libanga mosusu te se ekolongolama. Tomoni biteni misusu ya mokili bizali kolakisama kaka pasi na bato mosusu. Tosengi na yo oponela bango molobeli kasi na kimia oyo akoki kotambolisa bango na ntina ete tomoni makila mabato makomi lokola eziba ya mai liboso na miso na bino mpona komiponela motambolisi. Likambo wana ezali ya mawa mingi mpe ya pasi mpenza. Tala lelo oyo bazali kobundisa biso biso na biso mpe tozali kobomana. Tosengi bolongolela biso maso wana mpo ete kimia ekota na mokili mobimba mpo ete mabota maso mazala na boyokani. Yango nde toyeko nakisa na bino misato na kombo ya Tata, na kombo ya Mwana mpe na kombo ya Molimo Santo. Amen. Maintenant que nous venons d'écouter notre prière, nous allons passer à la lecture biblique. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 15. 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 15. Et si nous allons vont trouver, nous pouvons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, nous, dans notre église, on s'appelle papa et maman kimbanguiste. Quel que soit votre âge, c'est ce qu'on nous a appris. On se respecte. Nous n'avons pas l'habitude de nous appeler frères et sœurs. Nous nous appelons papa et maman kimbanguiste. Parce que comme nous l'avons dit, le kimbanguisme déjà, en soi, c'est une civilisation. C'est un mode de vie que nous devons refléter partout où nous sommes. Ainsi, avant vraiment d'entrer, d'expliquer ou de commenter notre lecture biblique, nous aimerions aussi répondre à une question qui nous avait été posée hier. Un des jeunes nous avait écrit pour nous dire, « Papa Mbotemunzila, est-ce que nous les Kimbanguistes, nous célébrons aussi la Pâque? Nous croyons aussi à la résurrection du Christ ?» Mes chers enfants, mes chers papas et mamans kimbanguistes, notre église d'abord, son appellation, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Et papa Simon Kimbangu, au début de son ministère, il avait bien dit qu'il était l'envoyé. C'est pour cela, au début de notre église, compte tenu des connaissances de nos parents, qui étaient les cadres à ce moment-là, qui n'avaient pas étudié plus que nous, mais qui ont fait quand même hisser cette église au niveau où nous l'avons trouvée,
ils avaient trouvé que la traduction de Ntoumwa, c'était prophète. Ce n'est qu'après, d'ailleurs grâce à nous la Genèse, qu'on viendra découvrir que non, Ntoumwa n'est pas un prophète, c'est un envoyé, un messager de Dieu. C'est ainsi, nous les Kimbangistes, nous croyons en Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Si un Kimbangiste vous dit que nous on ne croit pas en Jésus, là il est en train de se contredire. Parce que Papa Simon Kimbangu avait dit qu'il était envoyé par Jésus. Et Jésus nous avait promis qu'il va aller chez son Père. Il va nous demander un autre consolateur qui viendra et qui va témoigner de lui, qui va parler de lui. Et quand Papa Simon Kimbangu est venu, tout ce qu'il avait fait, il le faisait au nom de Jésus. Même quand il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il disait bien, sois guéri au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, la seule différence qui fait que nous, les Kimbangistes, nous soyons différents d'autres chrétiens, c'est parce que nous, nous croyons au Christ de Nazareth qui a été crucifié sur la croix et qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Mais notre seule différence, c'est que Christ avait promis qu'il s'en va et il reviendra. Et il avait bien dit que quand je reviendrai, le monde ne me verra plus. Mais vous, au moins, vous allez me voir. Et pour nous, les Kimbangistes, Christ, les autres l'attendent encore. Qu'il reviendra quand? Mais nous, on sait que Christ est déjà revenu et il avait porté cette fois-là, le corps de Papa Dialungana Kiangani Salom. Voilà la seule différence qui est entre nous, chrétiens Kimbangistes, et les autres chrétiens. Si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, si nous ne célébrions pas la Pâque, sinon, nous ne serons pas dans les conseils. Mais n'est-ce que des églises. Donc, notre seule différence, c'est celle-là. Donc, la Pâque, chez les Kimbangistes, nous, quand on avait grandi, tel que le dimanche d'hier, là, on allait lire, on allait prêcher par rapport à la résurrection de Jésus. Et nous avons des chansons qui parlent de la résurrection de Jésus. Oh Golgotha, Yeshua Kangamaki, Onamaki Lanabiso, oh oh, Asekwaki. Non, nous chantons aussi la résurrection du Christ. Donc, c'est ça la différence. Mais nous, au moins, nous reconnaissons que Christ, sa promesse qu'il avait faite, il l'a déjà réalisée, il était déjà revenu. Maintenant, venons-en à notre lecture d'aujourd'hui, où nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 15. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? J'écris à vous, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu les malins. Ne vous intéressez plus aux choses de ce monde. Jeunes gens, vous êtes forts. Dans ce chapitre, on voulait seulement dire à vous les jeunes que vous qui avez eu la chance comme nous de connaître Papa Simon Kimbangu dans votre jeunesse, donc vous avez déjà vaincu les malins. D'ailleurs, ça se voit ici. Comme je venais de le dire, quand vous voyez les mamans Gilio à vous dire et ne pas aller en Tunisie avec les billets de l'église ou pour aller fonder l'église. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que nous sommes des ambassadeurs. Partout où nous allons, nous devons témoigner de Papa Simon Kimbangu. Nous devons prêcher sa bonne nouvelle. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Tunisie là-bas. Et vous ici, surtout nos enfants en Europe, j'ai toujours jeté des fleurs surtout à nous, notre jeunesse, de la France en particulier et de l'Europe en général. Parce que quand il y a des vacances, au lieu de vous payer des billets pour aller à la plage, aller là, se baigner à moitié nu, faire la vie comme les autres le font, mais vous au moins vous payez vos billets pour aller en pèlerinage en Cap. Le 6 juin, il faut voir comment les jeunes musiciens s'y rendent. Le 2 avril, j'ai vu combien de pieds gauches qui se sont rendus. Tout ça, c'est parce que vous avez compris que vous êtes sur le bon chemin. Vous, jeunes,
vous êtes fort. Cette église, c'est vous la relève de demain. L'avenir de cette église qui manifeste dépendra de ce que nous aurons fait de votre jeunesse aujourd'hui. Si nous ne vous encadrons pas bien, nous ne vous orientons pas bien, nous ne vous transmettons pas ce que nous on a vécu, parce que nous on a eu la chance. J'ai toujours dit cela, que c'est un privilège que nous, au moins, nous avons entendu et vu papa qui sont lequel est papa Dialungana et papa Diangé. Nous avons entendu leurs enseignements. Et c'est à nous maintenant de les transmettre à vous, la génération future, pour que vous aussi, avec ce que vous êtes en train maintenant de vivre de papa Simon Guimard Okangai, vous allez transmettre aussi aux générations qui vont venir. Mais la question que vous m'avez posée aussi était pertinente. C'est ce qui se passe dans notre église. Nous sommes ici en Europe, mais on prêche qu'à Lingala. Mais moi, je ne condamne pas les prédicateurs ou les pasteurs qui prêchent à l'église. Parce que je me demande, parce que nous devons aussi interpeller. Nous sommes à la veille du centenaire. Centenaire n'est pas seulement fêté, porter des uniformes, mais nous devons aussi faire une rétrospection. Nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait durant ces 100 ans du Kimbangisme, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce qu'il y a à modifier. Je vous donne un exemple. La base, le fondement d'une église, c'est l'évangélisation. Or, qui dit évangélisation dit prédication. Mais notre église, c'est l'église qui dure où les gens durent plus les dimanches. Parce que nous, on consacre les dimanches, comme Dieu a dit que je vous ai donné 6 jours et le 7e jour, c'est pour moi l'Éternel, votre Dieu. Et quand nous allons à l'église, nous y restons jusqu'au soir. Mais vous savez que le timing réservé pour la prédication, il est de 30 minutes, donc une demi-heure. 8 heures du temps que nous faisons à l'église, mais la prêche ne peut pas dépasser 30 minutes. Mais nous y allons pourquoi? C'est là où les autres églises nous condamnent, nous critiquent. Comment une église peut faire 8 heures du temps et n'avoir une partie pour la prédication que de 30 minutes? Alors, le pasteur n'est pas à mesure d'être bilingue pour prêcher en même temps à Lingala, parce que la majorité de notre église est composée, comme Papa Diangena l'avait dit, nous ne sommes pas là pour critiquer des analphabètes ou des semi-analphabètes. Si nous prêchons en français, ceux-là ne comprendront pas grand-chose. Même quand nous étions en Kamba, on grandissait en Kamba. Mais la prêche se faisait en 2 temps. On prêchait d'abord en Kikongo. Et il y avait un papa, d'ailleurs, nous l'avons surnommé Tata Antoine Dingara. Parce que lui, après, il venait faire cette même prêche, mais faire maintenant la traduction à Lingala. Parce qu'en Kamba, à ce moment-là, on disait que c'était pas seulement pour le Bakongo. Tout le monde y allait. Et je vais encore vous donner un autre exemple. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pour cela que je vous ai toujours félicité, vous les jeunes. Moi, j'ai eu cette chance. Papa Diangenda, en 1964, avait envoyé mon père et son collègue, Papa Samuel Mabeka, pour aller installer l'église kimbangiste dans la province de l'Équateur, précisément à Mbandaka, qui est le chef-lieu. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, nous n'avons rien trouvé. Toutes les chansons qui étaient en quiconque, moi, en tout cas, toutes les anciennes chansons, je vous l'ai dit, Papa Roth, en Kikongo, j'ai un peu de difficulté. Parce que nos parents ont fait un effort de traduire ces chansons-là. Par exemple, si Loan Zambi, moi je le connais à Lingala. Et la Kayan Zambi, à la Kangaye, Nabo Mwana Nanga, Tela Mesa Mosala Nantoma Nanza, Tosala Mosala Nanzambe, Nasolobe. C'est comme ça que moi, j'avais 6 ans quand je chantais ça. Parce que nos parents ont compris que nous sommes venus installer l'église Kimbangiste chez les Bangala, qui comprennent difficilement les Kikongo.
il faut entendre Mungala quand il vous chante Nzambiame. Nzambiame, on porosa, mon pire en passe, et on s'en guérirait, y'a foufame, n'a musique. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il comprend? Il fallait traduire. Donc l'Église doit s'adapter aux réalités locales. C'est ça le rôle de l'évangélisation. Mais là, maintenant, nous sommes en train de fêter. Est-ce que nous nous sommes quand même posé cette question-là? Qu'est-ce qu'il y a à rectifier? Qu'est-ce qu'il y a à innover? Est-ce que nous avons lancé une perspective d'avenir? Venons-en même au deuxième temps, qui est notre catéchisme. Est-ce que dans notre catéchisme, c'est bien expliqué vraiment explicitement que Papa Simon qui m'a, de 1921, il est le Saint-Esprit? C'est vraiment pas explicite. Parce qu'on dit, qui est Papa Simon qui m'a, Papa Simon qui m'a, est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment le savez-vous? Jésus-Christ lui-même nous avait promis de demander à son Père de nous envoyer notre consolateur. Mais l'Église évolue. Plus l'Église évolue, plus Dieu est entré de nous faire des révélations. Nous sommes venus, nous sommes arrivés à comprendre que Papa Simon et moi, c'est vraiment Dieu le Saint-Esprit qui est dans la Sainte Trinité et que ses trois fils sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont descendus sur la terre comme Dieu l'avait promis dans Apocalypse, je crois, 21, que Dieu viendra habiter avec les hommes. Et si nous voyons bien, maintenant nous avons compris que puisque Dieu nous a dit que Jésus nous avait promis que le Saint-Esprit que je vais vous envoyer va demeurer en vous éternellement. Mais or, c'est Dieu qui a créé la mort. Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit que à un moment, l'homme doit mourir. Et Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, il avait porté ce corps humain, ce corps charnel, il était mort. Bien qu'il avait ressuscité, comme nous l'avons fêté hier, mais au moins, il était mort. On l'avait enterré et il est ressuscité. Non, personne ne peut porter ce corps charnel et échapper à la mort. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit, vu mes recherches, que j'ai compris pourquoi Papa Simon qui manque, bien qu'il a ressuscité, mais le corps là est encore là, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu avait dit ce corps ici, je l'ai pris de la terre et il va retourner dans la terre où je l'ai pris. Or, si nous voyons bien, nous faisons des analyses. Donc au ciel, Jésus était parti avec son corps humain, parce que quand on est allé voir sur la tombe, il n'y était plus, donc il est parti avec son corps. Et si vous lisez dans la Bible, il y a encore Élie, le prophète Élie, qui est parti encore avec son corps au ciel. Et quand vous lisez encore dans la Bible, vous allez trouver un roi, Melchisédek, qui n'avait ni début, ni fin, ni père, ni mère. Ce roi aussi n'a jamais été enterré. Donc voilà ces trois corps-là qui sont rentrés au ciel. Or, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se contredire. C'était si ces trois corps-là devaient revenir. Et Papa, qui sur lequel apporter un corps, je crois celui du roi Melchisédek, Papa de Lungana a apporté le corps du Christ, et Papa de Nguyen a apporté le corps d'Élie pour qu'au ciel, qu'il n'y ait pas ce corps charnel. Et ce corps, nous les avons en Kamba, c'est là où c'est écrit dans la Bible que là où vont se trouver les cadavres, c'est là où les gens viendront s'assembler. Mais maintenant, quand nous lisons dans notre catéchisme, vous allez trouver que nulle part où on nous dit que les trois papas sont de Dieu, sont Dieu dans la Sainte Trinité, nulle part où on nous dit que Papa Simon Kimangani, c'est le Saint-Esprit qui se réincarne, parce que Papa Simon Kimango était venu d'abord, comme j'avais dit, donc je voulais parler donc de la réincarnation. Il était venu d'abord avec son corps. Quand ce corps est fatigué, il est entré dans le corps de son fils, Papa Daniel, puisqu'il avait dit déjà en 1910, pendant qu'il avait 23 ans, que je renaîtrai encore en 1918. Et en 1951, Papa Daniel a dit à leurs trois épouses,
qui se sont retrouvées enceintes presque au même moment que de vous trois. Celle qui va accoucher d'un garçon, ça sera le retour de notre papa. Donc voilà la réincarnation, parce que on a dit que Dieu va demeurer avec nous éternellement. Donc si le laïc ne se fera pas à l'époque de Papa Simon Kimankiangani, peut-être que Dieu peut encore avoir pitié de nous. Donc Papa Simon Kimankiangani va encore chercher à se réincarner quelque part, dans un autre corps. Et moi j'ai toujours fait des analyses, excusez-moi, avant qu'on arrive vraiment au vif du sujet. Maintenant on n'est pas en train de se poser des questions sur la succession. Papa Simon Kimankiangani est venu à Kinshasa où il est resté 5 mois. Il a laissé un camp à qui? Il a laissé le bâton que nous on appelle Mvualalulendo à qui? Il a laissé les clés de Kinlongo à qui? Chez nous les Kimbangistes, c'est lui qui détient ces trois choses-là. Nkam, Mvualalulendo, Nsabisa Kinlongo, donc les clés du mausolée, c'est celui-là qui a les pouvoirs. Je ne dis pas ce sont des analyses, hein, excusez, ne me prenez pas au mot. Si maintenant Papa Simon Kimankiangani tel qu'il était venu à qui et qu'il faisait quelque chose dans ce sens, que parce que qu'on le veuille ou pas, excusez-moi que cela ne vous blesse, comme je venais de le dire, Papa Simon Kimankiangani a porté un corps. Il ne partira pas avec ce corps au ciel. D'ailleurs, dans ce langage, dans ce message, il commence déjà à parler des choses de pareilles. Un jour, Papa Simon Kimankiangani quittera aussi ce corps. Mais est-ce que ça sera la fin du Saint-Esprit, à moins qu'il y ait les laïcs, soit plus, c'est lui qui a les derniers mots. Mais s'il trouve qu'il y a encore à faire, maintenant il a laissé la clé à Papa Mbenza. Il a laissé tout à Papa Mbenza. Mais nous sommes en train de rien dire. Hein. On est en train de voir comme si on ne voit pas. Après, on va se dire, ah non, mais pourquoi c'est qui? Oh. Nous n'avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Et Papa Simon Kimankiangani, dans l'un de ses messages, il avait bien dit, clairement, que moi, on m'avait montré à qui je laisserai. Moi, j'ai encore ces messages-là. Je vais chercher de les mettre en audio pour les faire passer à une de mes émissions. Que moi, le papa m'avait montré, après mon départ, à qui je vais laisser le pouvoir. Mais si celui-là n'est plus à mes côtés, je ferai quoi? Je vais donner à celui qui est là. Pour avoir ce pouvoir-là, le pouvoir de notre Église, on ne l'a pas quelque part ailleurs. Non! C'est important que je vous le dise, vous les jeunes. Le pouvoir de notre Église ne se donne qu'en Kamba, pas à Kinshasa. Même Papa Diagnéna ne l'a pas eu à Kinshasa. Et pour avoir le pouvoir, on doit te donner ces trois choses, on doit te préparer. Papa Simon, Papa Diagnéna, avait eu le pouvoir, là, Maman Mouilou le lui a donné, le 12 avril, d'ailleurs bientôt le 12 avril, nous ferons encore une émission. Le 12 avril 1959. Et l'Nkawalulendo, là, l'Mvualalulendo ne sort jamais de Nkamba. Que personne ne vous trompe, que Papa Simon Kimankiangani, tel qu'il était à Kin, c'était là à Kin. Non, ça ne bouge jamais. Ça avait sorti d'un Kamba une seule fois lors de l'envahissement de la cité sainte le 6 juin 1921 et on l'avait gardé à Lukembe. C'est pour cela que Papa Dialungana avait fait semblant d'aller habiter à Lukembe comme s'il faisait ce chant. Or, c'était pour surveiller ça. Et depuis que Nkamba était reconquis, le Mvualalulendo est rentré. D'ailleurs, nous, quand on était des petits, Papa Mfumalongo, avant de faire un voyage à l'étranger, il venait vite faire en Kamba. Il entre en Kilongo, il sort, demain, il voyage à l'étranger. Il va à une grande mission. Donc, le Mvualalulendo ne sort jamais d'un Kamba. Ça sort jamais d'un Kamba. Si quelqu'un vous dit que non, le pouvoir, non. Le pouvoir, il faut le prendre en Kamba. Tout y est là-bas. Même Papa Simon Kimankiangani l'avait dit. C'est pour cela, nos enfants, vous avez une grande mission. C'est vous qui viendrez réformer cette église. C'est tout vous qui êtes né ici, qui avez grandi ici. Voilà nous, les parents, qu'est-ce que nous avons fait? Vous ne pouvez aller dans aucune paroisse où vous trouverez un blanc.
un Européen qui baptise. Non. Quand nous faisons les baptêmes, nous ne faisons que baptiser nos propres enfants, nos propres petits-enfants. Est-ce que c'était ça la mission? Moi, vous avez grandi ici. Vous avez étudié ici. Donc, vous avez cette opportunité-là et cette facilité de transmettre de l'ékimbanguisme à vos amis arabes. Est-ce que vous voyez comment vos amis arabes vivent leur religion islamique? Et nous voulons que vous aussi, vous fassiez autant. Ainsi dit, nous allons un peu mettre une chanson pour que maintenant nous parlons du début du ministère de Papa Simon Kimbangu que vous avez attendu. Donc, nous allons quand même mettre une chanson. Écoutons. Nous voici maintenant en 2021, 100 ans du kimbanguisme demain. Qui l'aurait cru, cette église qui était combattue par les Belges, par les colons? Mes enfants, comme j'ai eu à le dire, donc maintenant nous allons parler, nous allons faire un bref aperçu historique, parce que vous avez raison, ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est difficile qu'on le mette dans le catéchisme que nous appelons Biouvouyemvout, qui veut seulement dire question et réponse, sinon ça sera tout un livre, et je ne sais pas moi, pour le retenir. Mais on a mis l'essentiel. Et maintenant, ici, nous ne pouvons pas parler du ministère de Papa Simon Kimbangu si nous ne parlons pas d'abord comment il était né. Est-ce que Papa Simon Kimbangu, c'est une légende, une personne légendaire, ce que vous appelez de la mythomanie? Non. D'ailleurs, je vais vous faire un peu rire. Une fois, Papa Dedou, qui est à la Fati, Saint-Ouen, était parti en Kamba avec sa fillette qui avait encore, je crois, 3-4 ans. Et vous savez que nos enfants de l'Europe, ils se sont très curieux. Cet enfant, c'était une fillette, elle entend toujours parler, Papa Simon Kimbangu, Kangani Moli Monsanto, il est Dieu. Vous voyez maintenant la problématique qui est entre cet enfant. Quand il va à l'école, on lui dit que Dieu, il est au ciel, il est invisible, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Or, cet enfant encaissait tout cela. Ils sont allés en Kamba et papa les avait reçu papa Dedou, son épouse et l'enfant. Après, quand papa Simon Kimbangu a salué cette fillette-là de 3 à 4 ans, il lui a posé la question. C'est vous, Papa Simon Kimbangu Kangani? Il dit oui. C'est vous, le Saint-Esprit? Il dit oui, c'est moi. Donc, vous êtes Dieu. Et Papa Simon Kimbangu, les parents voulaient l'empêcher, Papa Simon Kimbangu a dit, laissez-les, laissez-la parler. Vous voyez? Donc, nous avons ce devoir de vous expliquer, parce que cet enfant, certainement, elle était perdue, il ne comprend pas. Mais comment c'est Dieu qui est au ciel? Bon, on a toujours dit que, donc, moi, je vis Dieu. Qu'est-ce que je vais aller dire
à mes amis quand je vais rentrer en France que moi j'ai vu Dieu, je l'ai touché comme ça, je l'ai salué. Papa Simon Kimbam est né le 12 septembre 1887 de papa Pouyel Jean et de maman Louise. Donc ses parents s'appelaient Pouyela, son père, et Louise, sa mère. Malheureusement, maman Louise va mourir pendant que papa Simon Kimbam n'avait que 3 mois. Et la grande sœur de maman Louise, qui était maman Kinzembo, va prendre papa Simon Kimbam pour l'élever. Donc, un orphelin laissé par sa petite sœur. Alors, ma voix d'aller plus loin, puisque nous allons entrer dans le mariage de papa Simon Kimbam, nous voulons un peu parler de certains faits, des rapprochements, parce que quand Dieu prévoit quelque chose, il a toujours un plan de rapprochement. En réalité, maman Mouilou, son village, c'est Kingombe. Kingombe est situé à près de 12 ou 15 kilomètres de Nkamba vers Dimanche. Les jeunes, quand vous allez en Kamba, et vous allez Lukengo, je crois Kikoka, Nzumbu, vous allez jusqu'à Dimanche, Mbanzangoyo et Kingombe se trouverait vers là. Et moi, je suis déjà arrivé là-bas. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maman Touba, qui est la mère de maman Moui, voyez maintenant les rapprochements que Dieu veut faire. Maman Touba, qui est la mère de maman Moui, était malade. Elle souffrait d'une maladie de peau. Vraiment, elle était très malade, une belle fille, mais elle n'arrêtait pas de se gratter. Et quand elle se grattait, elle saignait. Alors, pour essayer de calmer ses douleurs, on les mettait au soleil pour essayer un peu. C'est comme si on la séchait, quoi. Alors, un jour, un certain Tata Mfuka, qui était originaire d'Nkamba, mais de ce qu'on appelle Zumbudiakela. Parce que Zumbudiakela, c'est quoi? C'est comme si nous voyons Kamba aujourd'hui. Quand on parle d'Nkamba, en Kamba, il y a Kamasson, il y a Kamfuma, il y a Kambisadi, il y a... Vous voyez tous ces camps-là. C'est ça qui constitue Nkamba. Mais à l'époque, les Zanzabisadi aussi, c'était comme un camp d'Nkamba. Et Papa Mfuka habitait là-bas. Et Papa Mfuka allait faire ses commerces jusque vers, c'était un commerçant en bilan, vers les Kingombe là-bas. Un jour, il est arrivé à Kingombe, il avait trouvé une fille, une belle fille qu'on avait mise au soleil. Tu sais, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette belle fille, vous l'avez mise au soleil comme si vous séchiez un poisson? Il dit, non, mais elle souffre d'une maladie, vous ne voyez pas comment elle se gratte si on ne les met pas au soleil. Il dit, oh, mais cette maladie-là, oh, mais moi je connais une maman qui guérit cette malade, elle s'appelle Kinzembo, elle est en Kamba. Maman Kinzembo, non, je peux dire la tante maternelle de papa Simon Kimbangu. Maintenant, les parents de maman Touba, quand ils avaient appris, comme ils tenaient à la guérison de leur fille, qui avait déjà 14, 15 ans, on l'a amené vite fait chez maman Kinzembo. Maman Kinzembo l'a soigné. Ici aussi, je vais faire une précision, puisque sinon on va dire, mais comment maman Kinzembo a exigé l'argent? Non. Dans nos coutumes, quand on vous soigne d'une maladie par les plantes naturelles, vous devez faire un petit geste, un symbole. Alors, maman Kinzembo n'avait pas demandé beaucoup d'argent. Il avait, tantôt on donnait, seulement on peut donner 3 poules, et je ne sais pas, une chèvre. Mais les parents de maman Touba, quand maman Touba est venue chez maman Kinzembo l'a soignée, elle avait guéri, elle avait retrouvé la guérison, et il avait fait appel, elle avait fait appel à sa famille, vous pouvez venir récupérer votre fille. Et les parents attendaient qu'ils puissent avoir les moyens pour venir remercier, récompenser, si pas payer les honoraires de maman Kinzembo. Et pendant ce temps, ça veut dire que pendant qu'on soignait maman Touba, maman Touba dans la maison de maman Kinzembo.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les parents de Maman Touba traînaient, un jour, Papa Mfouka est passé par là, il a dit, oh, cette fille-là, qu'on avait ramenée ici, que moi j'avais demandé aux parents, c'est celle qui est devenue comme ça, belle, et n'est plus malade. Il dit, oui, elle a recouvert sa guérison, et il va bien. Et Papa Fouca lui-même, qui n'avait pas aussi de femme, avait dit, alors dans ce cas, moi je vais l'épouser. Et Maman Kinzebo qui dira, non, moi elle n'est pas ma fille, c'est toi qui connais l'adresse de ses parents, le village de ses parents, va là-bas, va les leur dire. Et Papa Mfouka était rentré à Kingombe pour dire aux parents de Maman Touba que je voulais épouser votre fille puisqu'elle est guérie. Et les parents de Maman Touba étaient venus en Kamba pour célébrer ce mariage et ils ont pris quelque chose comme symbole qu'ils ont remis à Maman Kinzebo. Alors, Maman Touba avec Papa Mfouka, ils vont avoir comme première fille Maman Mouilou. Alors, pour remercier Maman Mouilou, Maman Touba dit à son mari, Papa Mfouka, il dit, je veux que nous puissions donner le nom de Maman Kinzebo à notre fille. Suivez bien pour que vous puissiez comprendre les rapprochements déjà de Maman Mouilou et Papa Simon Kimba. Alors, comme dans nos coutumes Congo, quand vous voulez aller présenter un homonyme à quelqu'un à qui vous avez donné son nom, vous devez apporter soit de la nourriture, soit un coq ou une poule. Ils sont allés chez Maman Kinzebo pour dire, voilà, je venais d'avoir une fille, une fillette, je te remercie grâce à toi qui m'avais soigné. J'ai eu et le mariage, et maintenant aussi, j'ai un enfant. Et je voulais donner ton nom, c'est pour cela que je suis venu te la présenter. Et Maman Kinzebo dira, moi j'ai déjà assez des homonymes, mais je voulais que tu donnes le nom de ma mère. Il dit, ta mère s'appelle comment? Il dit, ma mère s'appelait Mouilouan Kondi Marie. Il dit, bon, comme tu le veux ainsi, moi je voulais te faire honneur, et toi tu veux que cet honneur soit fait à ta mère? Non, ça revient au même. C'est là où le, Maman Mouilou portait là le nom de Mouilou Marie. Donc, le nom de Maman Mouilou, c'est déjà aussi le nom de la grand-mère de Papa Simon Kimba. Parce que Maman Mouilou Nkondi était la mère et de Maman Louézi et de Maman Kinje. Voilà déjà ses premières approches. Mais n'oubliez pas, retenez que Maman Mouilou est née en 1880 et Papa Simon Kimba est né en 1887. Donc, ils avaient un écart de 7 ans. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, la nubilité, donc l'âge nubile pour les filles pour se marier, c'était entre 14 et 15 ans. Une fille pouvait déjà aller en mariage. On pouvait déjà l'épouser. Or, si nous mettons que quand Maman Mouine avait 15 ans, mettons 15 ans, donc ça sera en 1895 que Maman Mouilou avait 15 ans. Or, en 1895, Papa Simon Kimba n'avait que 8 ans. Et à 8 ans, Papa Simon Kimba ne pouvait pas se marier. Et Maman Mouilou sera épousée par qui? Par le cousin de Papa Simon Kimba, qu'on appelait Ndompetelom Patamiambongo. Ndompetelom Patamiambongo était le neveu de Papa Kouyela, le père de Papa Simon Kimba. Il a épousé Maman Mouilou. Donc, pour moi, d'après mes recherches, c'était seulement une façon, Dieu l'a fait garder quelque part. Que gardez-moi là, et que ne soit pas éloigné, que n'aille pas loin, parce qu'elle a une mission. De ce mariage de Papa Ndompetelom Patamiambongo, et donc, et Maman Mouilou, naîtra une fille qu'on appelait Maman Kitudia Nelly. Donc, le papa, qui sur lequel les Dialungane et Dianyena avaient une demi-sœur, que Maman Mouilou avait fait dans son premier mariage. Alors, qu'est-ce qui va se passer aussi? Comme Dieu cherche toujours à rapprocher, quelques temps après, Papa, donc je vous disais que Papa Kouyela, depuis le décès de sa femme Louézi, il est resté veuf. Et Maman et Papa Fouca aussi, après avoir engendré Maman Mouilou,
Après avoir engendré maman Kouakia à 16 ans, la petite sœur de maman Mouilou, papa Mfouka aussi va mourir. Donc il se fait que papa Mfouka, mère, laisse maman Touba Suzanne veuve. Maman Louise, qui était déjà morte, avait laissé papa Kouyela veuf. Et comme chez les Bakongo, on dit ça à un proverbe, dissous du fruit d'inko, qu'il a bé, qu'il a étolo. Donc, l'occasion faisant les rallons, les larrons, je voulais donc dire, excusez-moi les termes. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Ça se fait que papa Kouyela et maman Touba se sont remariés. Donc, le père de papa Simon Kimbao épouse la mère de maman Mouy. Alors, dans cette union recomposée, dans cette famille recomposée, papa Simon Kimbao, il y a déjà son fils qui vivait à cheval entre lui et sa tante Kinzembo, et maman Mouilou aussi vient avec ses deux filles. Mouilou, maman Touba vient avec ses deux filles, Mouilou et Kouakiat. Donc, papa Simon Kimbao et maman Mouilou ont vécu aussi dans un même toit. Mais comme ils avaient un écart d'âge, cela fait que maman Mouilou puisse se marier avant. Mais elle n'est pas allée loin, elle est allée encore chez les cousins de papa Simon Kimbao. C'est ainsi que ces cousins-là, avant de mourir, sentant sa mort prochaine, comme l'a fait les laboureurs et ses enfants, il a appelé toute sa famille pour dire, moi je vais bientôt mourir, mais ma femme ici, je la laisse entre les mains de mon cousin Germain, Simon Kimbao. Je veux que Simon Kimbao puisse la prendre comme épouse. Ici je vais un peu expliquer parce que je suis aussi Nzondi. Donc, le mariage de substitution chez les Bakongo, ça se faisait. Pourquoi ça se faisait? Chez les Bakongo, dans les temps, quand une femme était dotée, elle devenait dépendante de la famille qui l'a dotée. C'est comme si ce n'était pas un achat, mais au moins, quand on t'a doté, donc tu deviens membre de la famille qui t'a dotée. Et c'est cette famille-là qui a un dernier mot sur toi. Et pour de tels mariages, on ne donne plus la dot. Donc, papa Simon Kimbao avait eu seulement à donner la boisson pour informer que désormais, mon cousin est décédé, mais c'est moi qui suis devenu le mari de votre fille. Et dans la Bible, ces mariages de substitution aussi existent, où on dit que quand un frère meurt, et l'un de ses frères peut prendre sa femme pour continuer à prendre ses enfants en charge. Donc, papa Simon Kimbao, quand il avait épousé maman Mouilou, il avait déjà trouvé avec maman Kitugia Nelly. Et en 1914, ils auront un premier enfant. Mais avant d'arriver aux enfants, parlons d'abord du mariage. Parce que là, ils avaient fait un mariage coutumier. Et ce mariage coutumier, moi, je l'ai toujours situé vers les années 1912 ou même 11. Pourquoi je l'ai dit? Parce que moi, en tant que chercheur, j'ai eu à m'entretenir avec Maman Tsaloulou. Maman Tsaloulou m'a donné d'où était venu le nom de Lukelo que Papa Charles porte. Papa Simon Kimbao n'avait pas donné à son premier fils le nom de Lukelo. Il lui avait donné le nom de Kisolokele Daniel. Alors, Maman Mouilou avait fait un rajout parce que, d'après ce que Maman Mouilou avait raconté à Maman Tsaloulou, que quand ils se sont mariés avec Papa Simon Kimbao, il s'était passé beaucoup de temps pour qu'elle puisse concevoir. Alors, les gens commençaient à se moquer d'elle, surtout les femmes. Ah, depuis qu'elle s'est mariée, elle ne conçoit pas. C'est tellement elle est devenue stérile. Celle-là ne va plus concevoir. Et quand maintenant, elle a conçu, nous devons faire le rapprochement. Une grossesse ne fait que 9 mois. Donc, elle doit avoir conçu vers les années 1913. Et quand elle a eu un enfant, Maman Mouilou, non, il lui a donné le nom de Lukelo. Lukelo en Kikongo, c'est Kotonga.
les moqueries, les critiques. Kela lukele kunkela, vous me critiquez. Boubou lukele lumeni, lukele diaka. Donc critiquez-moi encore, je viens d'avoir un enfant. C'est là où est venu le nom de Lukelo que papa Charles portait. Ce qui veut dire que c'est mariage, puisque pour qu'on commence à critiquer une femme qu'elle ne conçoit pas, il doit faire au moins 2 ans ou plus dans un mariage. C'est là où moi j'ai toujours situé le mariage de papa Simon Kimbangu et de maman Mouilo vers 1911. Alors maintenant, ils vont venir faire leur mariage religieux, comme nous le savons, en 1915 à l'église protestante en juillet à la rivière Tombe que nous connaissons bien. Alors maintenant les gens aussi se posent des questions ici, parce qu'en 1915 quand papa Simon Kimbangu faisait les mariages, donc papa Kisokel était déjà né, alors il y a aussi des gens, vous êtes des jeunes, nous devons tout vous expliquer, qui se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai cohabité avec ma femme, on doit me mettre sous discipline, et lui-même, même le Saint-Esprit, Dieu, avec... Non, 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 non. Pourquoi? En ce moment-là, d'abord, l'objectif du mariage était la procréation. On s'est marié pour la continuité du clan. C'est pour cela qu'on s'est marié. Alors, on se disait, maintenant, les missionnaires de l'époque ont dit, si maintenant on commençait à faire les mariages avant que les gens aient des enfants, peut-être que la femme est stérile ou quoi, nous aurons trop de cas de divorce. Et à ce moment-là, les missionnaires de l'époque avaient autorisé, pour éviter les divorces en cascade, avaient autorisé la cohabitation. Quand vous verrez maintenant que bon, parce qu'à ce moment-là, on voyait que la procréation, ah non, cette femme, c'est bon. Elle est procréative, donc c'est bon. Donc j'aurai des enfants, donc ma lignée ne va pas s'arrêter. À ce moment-là, maintenant, tu peux aller faire le mariage religieux. Et en plus, ça s'explique bien, papa Simon Kimbangu n'était baptisé que ce 4 juillet-là, 1915. Donc, quelqu'un ne peut pas faire un mariage religieux pendant qu'il était encore païen. Bien qu'il vivait, papa Simon Kimbangu vivait le protestantisme chez sa mère, maman Kinzembo, qui l'a élevé. Parce que maman Kinzembo, comme vous l'avez appris dans le catéchisme, maman Kinzembo a eu à recevoir plus de 2 fois les missionnaires Nzangamani Cameroun. Et même les Cameroun, là, si on l'appelle Nzangamani, Nzangamani, c'était un surnom qui lui avait été donné par les autochtones. Parce qu'il s'est déplacé toujours à l'aide d'un cheval ou d'un âne. Alors, comme il était toujours perché, Nzangamene, donc Wazangamangena. Alors, on a ce nom, Nzangamene, donc je suis perché. Donc voilà, là, nous vous parlons un peu du mariage de papa Simon Kimbangu. Et en 1914, il y aura la naissance de papa Kisolokele. Et comme, si vous lisez dans la Bible, vous verrez que même à l'époque de Jésus, quand le roi Hérode avait compris que Christ est venu, il avait ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants. Et à ce moment-là, Satan qui est malin, qui a été jeté sur terre, avait aussi compris que la Sainte Trinité que Dieu avait promis commence déjà à descendre. Il y a eu la guerre, la première guerre mondiale. Cette guerre avait comme objectif de faire périr les 3 enfants de papa Simon Kimbangu. Mais comme Nzambe, Dieu remporte toujours, Nzambe a Rokwe, a Kate, a Kolonga, a Kakaka, en 1916, papa Dialunga na netra, malgré l'épidémie de la fièvre espagnole qui avait ravagé aussi le monde, hein, plus que le corona maintenant. Hein. Et en 1918, papa Dialunga va naître et quelques mois, ça sera la fin de la guerre mondiale. Alors, en 1918, papa Simon Kimbangu avait commencé à voir les appels du Christ qui venait lui dire, Kimbangu, je t'ai choisi pour que tu puisses sauver mon peuple. J'ai une mission à te confier. Papa Simon Kimbangu avait dit non. Je ne suis pas dit, je n'ai pas beaucoup étudié. Je veux que tu donnes cette mission
aux prêtres et aux missionnaires qui sont à Gombeloukete, moi vraiment je n'en veux pas. Et Jésus avait insisté. Vu que Papa Simon Guimba avait trouvé que Jésus commençait à l'harceler, à lui faire pression, et en 1920, Papa Simon Kimbangu avait fui pour aller s'exiler à Kinshasa, afin d'éviter les appels et la pression du Christ. Arrivé à Kinshasa, Papa Simon Kimbangu s'était fait embaucher dans une société qu'on appelait HCB, HCB, Willery Congo Belge, qui deviendra, après l'indépendance, je crois, les Gilles Valanquer ou quelque chose de ce genre. Et là, Papa Simon Kimbangu était embauché comme un pointeur. Donc, c'est lui qui numérotait le fil, le tonneau, parce que Papa Simon Kimbangu savait lire et écrire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois à la fin du mois, Jésus a fait à Papa Simon Kimbangu comme il avait fait à Jonas. Vous savez que quand Dieu avait envoyé Jonas pour aller apporter son message à Ninive et que Jonas avait refusé, Jonas avait pris un bateau pour fuir et ne pas aller à Ninive. Mais qu'est-ce qui était arrivé à Jonas? Quand il était dans les bateaux là avaient été secoués, il y avait, je ne sais pas moi, des vents très violents qui voulaient vraiment renverser les bateaux. Alors les gens, les commandants du bateau et tout ça ont dit non, non, non. Il y a quelque chose qui se passe ici. Après, ils sont allés, ils ont trouvé Jonas. Mais toi, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici et tout? Alors, Jonas leur avait dit que non, Dieu m'a donné une mission, mais j'ai échappé, je ne voulais pas, j'ai dérobé. Ils ont dit, ah non, c'est toi qui es la cause de notre misère. Et sinon, nous serons nos frères. Et ils avaient jeté Jonas dans le fleuve. Et comme le mal ne vient toujours pas seul, Jonas était avalé par un poisson, et ce poisson va aller encore le vomir à Ninive où il ne voulait pas aller. Donc, en fin de compte, Jonas n'avait pas de choix, il avait fait la mission de Dieu. C'est la même chose avec Papa Simon Kimbangu. C'est Papa Simon Kimbangu est allé à Kinshasa, il a trouvé du boulot. À ce moment-là, quand les gens allaient à Kinshasa, ils laissaient leurs femmes et enfants, en fin de compte, il finissait par le faire venir, parce qu'il va trouver du boulot, il va trouver donc le confort et tout. Mais Papa Simon Kimbangu, à la fin du mois, quand il s'alignait pour aller toucher maintenant le sort de leur salaire, leur rémunération, quand Papa Simon Kimbangu se présentait devant les Blancs, les directeurs des HCB, ils lui disaient, mais toi tu veux avoir l'argent combien de fois? Il dit non, je ne sais pas encore, il dit quoi. Mais tu as signé ici? S'il n'est pas à côté, Papa Simon Kimbangu signe, il dit, mais ce n'est pas la même signature? Ah. Il dit, non, chef, moi, allez, sortez de mon bureau. Et les gens, ah, ses collègues témoignent, mais non, ce monsieur n'a pas eu l'argent, tout ça, mais c'est quoi? Ça s'est fait une fois, ça s'est fait deux fois, ça s'est fait trois fois. Trois mois donc, successifs. Papa Simon Kimbangu sans salaire. Alors il s'était décidé, il dit non. Ses collègues, des mêmes villages, hein, des villages en voisinage, là, les Yanda, les Kilunda, les Kikoka, comme les Tata Senkele, les Lukengo, tous ceux qui étaient avec lui en ville là-bas, parce qu'ils avaient vraiment une solidarité, hein, ils lui ont dit non. On sent que tu as un problème. Dans ce cas-là, nous allons faire une cotisation pour toi, pour que tu rentres. Je donne maintenant l'exemple comme si ils ont cotisé et ils ont donné à Papa Simon Kimbangu 100 euros. Rentre au village, parce que là, vraiment, ça ne tient pas. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ah, Papa Simon Kimbangu a commencé à revenir. Dès qu'il est arrivé à Kasangoul, il a dit, mais si j'ai rentré en Kamba, Jésus va encore continuer à m'embêter. Or, moi, je ne veux pas de cette mission. Elle est très délicate, elle est très difficile. Il dit, bon, dans ce cas-là, je vais faire un commerce. Il a pris les 100 euros qu'on lui avait donnés. Il a commencé à acheter des chikwangs. Il a acheté des chikwangs là-bas à 100 euros, dans le but de venir les vendre au moins à 130 ou 140 euros. Il arrive à Kinshasa,
Il vend des chikwang, c'est parti aussi comme des petits pains là. Tout le monde en avait besoin. Il raconte l'argent. Il nous reste 50. Je dis, mais c'est quoi ça? Il rentre encore pour la seconde fois. Il dit, bon, les 50 ici, si j'achetais, je crois que cette fois-là, j'aurai les 100. Il rentre, il achète des chikwang pour 50, il revient à Kinshasa, il voit quoi, les gens, quoi, chikwang. Tout est parti. Papa Simon Limangu raconte l'argent, il n'avait que 20 euros. Il dit non. C'est que, puisqu'il connaît sa conscience, lui dit quelque chose. Il dit non. Dans ce cas-là, que j'achète seulement du poisson. Parce que les pays ici qui me restent, parce que les poissons aussi, les nzombo là, les poissons qu'on appelle angui chez nous, un poisson qu'on trouve dans les fleuves ou les rivières de l'Afrique là, c'est un poisson vraiment que les gens préfèrent beaucoup. Il a dit, comme au village on ne mange que des légumes, du pondou, des légumes, de tout ça là, des kintsumba, que sais-je encore, d'un kovi, que jamais ne fût-ce que du poisson. Et comme les malheurs n'arrivent jamais seuls, Papa Simon Kimangu arrive à Kasangulu, un soldat Fumfu. Moi, j'ai vu ce soldat-là, Fumfu. Papa Daniel nous l'avait présenté à Bongolo. Quand il est venu chercher la mort, vous rendez compte, Fumfu est venu chercher la mort que papa, ton père m'avait dit, je ne mourrais pas si je ne voyais pas son fils. C'était vers les années 70, hein, à Bongolo. On nous a présenté Tata Mfumfu. Moi, j'étais là. J'avais entre, je ne sais pas si 10 ans ou quoi, 12 ans ou... Mais j'étais là. Et Papa Mfumfu a ravi les poissons de Papa Simon Kimbangu. Les tracasseries policières n'ont pas commencé aujourd'hui dans nos pays africains. Ils demandent la facture, quelque chose qu'on a acheté au marché. Ils demandent, donne-moi la facture de ces poissons. Ils disent, mais j'ai acheté au marché. Comment on peut me donner une facture ou un récit? Allez, donne-moi ce poisson-là, allez, vas-y. Il dit, mais coupe-moi même un morceau. Regarde comment je rentre bredouille, je suis venu ici, j'ai fait plus de temps. Là, c'était déjà à la fin du mois de février 2021. Donc, il est allé en 2020. Il avait fait entre 6 ou 7 mois seulement comme ça à Kinshasa. Et en fin février, il commençait déjà à rentrer. Il a supplié Mfumfu pour que Mfumfu lui coupe ne plus qu'un morceau qu'il ramène à ses enfants. Mfumfu lui a dit, si tu insistes encore, je vais te mettre au cache. Et Papa Simon Kimangu lui dira, ah bon, tu veux mon poisson là, prends-le. Mais je t'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras que ces poissons-là. Toute chose que toi, Mfumfu, tu mettras dans ta bouche, va te transformer au poisson-là, comme on va te le préparer par ta femme, là. Jusqu'à ce que tu verras mon fils, pour que tu saches qui je suis. Il dit, allez, arrête tes conneries, là, tu crois que tu vas m'intimider? Vas-y! Et, Papa Simon Kimangu est parti. Il arrive en Banzangu. Il dit, bon, que je cherche quand même aussi du boulot. Il est allé encore se faire embaucher à l'ONATRA. Et là, on va les chasser. Il dit, bon. Alors, la distance de Kinshasa en Kamba, c'est 225 kilomètres. Et Papa Simon Kimangu l'a fait à pied, je crois, en 3 jours. C'est pour cela, quand on dit que on va, je crois, réfectionner la route là qu'on appelle la route de Papa Simon Kimangu, où il avait marché, c'est pas la route là que nous prenons. Hein, parce qu'il y a un raccourci à partir de Mbazangu là. Nous aussi, on a déjà eu à prendre ce raccourci quand nous étions élèves en Kamba. Et Papa Simon Kimangu est arrivé, même réduit en Kamba, au début du mois de mars 2021. Et après, Jésus est venu encore apparaître pour lui dire, qu'est-ce que je t'avais dit? Toi, tu croyais que tu allais me fouiller. Tu as vu ce que tu as vu à Kinshasa, non? Maintenant, tu dis quoi? Il dit, comme le potier, comme l'argile devant le potier. Papa Simon Kimangu a dit, que ta volonté soit faite, fais de moi ce que tu veux. Je ne sais plus quoi faire. C'est pour cela qu'il lui a dit, bon, maintenant tu vas commencer le travail. Tu es d'accord? Il dit, je suis d'accord. Mais Papa Simon Kimangu avait fait des choses. La première des choses, il avait demandé à son épouse. Parce que son épouse aussi l'entendait parler avec quelqu'un.
Un jour même, maman Moulou a crié au secours. Elle a crié que son mari était devenu fou. Parce qu'elle entendait que son mari parlait avec quelqu'un, mais elle, maman Moulou, n'entendait pas la voix de son interlocuteur. Et papa Simon Imamou avait demandé à maman Moulou, Jésus est en train de me donner une mission que je suis en train d'éviter, mais il insiste. Est-ce que tu sauras m'épauler? Si tu trouves que tu ne sauras pas, parce que ça sera une mission délicate, c'est le moment que nous puissions même divorcer. Maman Moulou avait dit non, on ne va pas divorcer. Comme cela vient de Christ, je vais t'aider, je vais t'épauler, je vais t'assister dans ta mission. Et papa Simon Imamou avait dit merci mon épouse. Parce que c'est une épouse de la promesse, comme nous avons eu à le dire là. Et le 4 avril 1921, c'est pour cela, le premier commandement de notre Église, c'est respecter l'État établi, le pouvoir établi. Papa Simon Kimamou est allé à Djoundou pour aller rencontrer les chefs médaillés, les chefs de groupement Mvouti, on l'appelait Mvouti, pour lui dire, Christ vient de me donner une mission. Mais je vais faire ce travail dans ta contrée. Dans ton contrée. Est-ce que tu acceptes? Parce qu'il y aura quand même aussi des brimades. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Il y aura des si. Fumumfu, tu avais fait réunir son conseil et ils avaient dit qu'advienne que pourra. Nous sommes prêts que cette mission que Christ a donnée à toi, fils de notre terroir, nous acceptons que tu puisses accomplir ta mission. C'est ainsi, le 5 avril, déjà dans la nuit du 5 avril, papa Simon Kimbangu va dire à son épouse, maman Mouilou, demain matin, tu vas sonner la cloche et ça sera le début de mon ministère. Et le 6 avril 1921, maman Mouilou avait sonné la première cloche et cette cloche avait retenti et le son était entendu presque dans jusqu'à Ngomelouté était là à plus de 30 kilomètres. Et après ce culte matinal, papa Simon Kimbangu et son fils papa Tshisolokele sont allés au marché pour aller faire leur marché en Tshona Kinyenji. Mais pour aller au marché de Tshona, on doit passer par Ngombe Kintchouk. Et il y avait une dame qu'on appelait Kiantombo, Mama Kiantombo. Cette femme était agonisante. Chez nous, les Bakongo, quand quelqu'un est malade et qu'il n'y a plus l'espoir, on les lave, on l'habille déjà et on attend qu'elle rende le dernier souffle. Et c'était ça pour Mama Kiantombo. Donc les gens se disaient, ah non, maman Kiantombo, donc on attend seulement. Donc si vous entendez les gens pleurer, parce qu'à qui qu'on dit, bah là tu sais déjà, bah vous qui dit qu'à donc il mène, il vous qu'à dire. Donc il n'y a plus d'espoir, fini. Et quand papa Simon Kimbangu était, parce que nous on était petits en Kama, papa Simon Kimbangu aussi comme tout villageois, et hein, il était entré d'abord dans cette case-là. Parce que tout le monde, le matin, devait passer pour demander la santé. Il est allé, il a trouvé les gens. Ah, comment aujourd'hui, là, le mari de maman, qui entend lui dire, ah, papa, comme tu as vu là, nous attendons seulement qu'il rende le dernier souffle. Nous avons tout fait. Il n'y a pas d'espoir. Il dit, bon, ça va, courage. Et dès qu'il est sorti, il est arrivé dehors, Christ lui dit, Kimbangu, rentre dans la case de Kiantombo. Allez, va la guérir vite. Et papa Kimbangu est entré en transe. Il est rentré dans la maison de maman Kintchou. Il dit à tout le monde, allez, sortez, tout le monde sortez. Seulement toi, les maris, tu peux rester. Et le mari est resté. Papa Simon Kimbangu a fait une prière. Il a tendu la main. Kiantombo, sois guéri au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris par la main, il l'a levé. Et maman Kiantombo était guérie. Et papa Simon Kimbangu a pris son chemin pour le marché. Et quand papa Simon Kimbangu est sorti, les dames qui étaient sorties dehors, les gens sont rentrés dans la maison, ils ont tombé. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé?
et la nouvelle s'est répandue. Et comme Papa Simon Guimard, vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé? Mama Kentondo a dit, comment moi j'étais malade. On m'a donné tous les médicaments. On m'a donné tous les soins. Je n'étais pas guéri. Et Kimba me paraît une simple imposition de main. Je suis guéri? Non. Donc c'est Kimba qui m'avait ensorcelé. C'est lui qui m'a jeté un mauvais sort. C'est lui qui m'a envoûté. Aujourd'hui, Kimbangu va me sentir. Et Papa Kimbangu, de retour, il doit aussi passer par là. Quand les gens disent, ah, Kimbangu arrive, il revient du marché. Maman Kentondo est sortie pour Kimbangu. Toi là, tu es un sorcier. C'est toi qui m'as envoûté. Papa Kimbangu, calme, il a regardé. Son mari venait là, mais maman, tu étais morte. Quelqu'un t'a fait revenir à la vie. Pourquoi tu les menaces? Et Papa Simon qui m'a dit, maman, c'est pas moi, c'est le Christ qui t'a guéri. Et Maman Kentondo qui dira, fais encore comment tu avais fait là. Parce que moi j'étais dans l'agonie, j'ai pas vu, reprends un peu les gestes, comment tu avais fait. Si j'apprends seulement que tu avais mis la main, essaie encore. Et Papa Simon qui m'a lui répondra, la bénédiction ne se donne qu'une seule fois. Mes chers enfants, Papa et Maman Kimbangis, nous voici à la fin de cette émission qui a duré d'ailleurs plus d'une heure comme d'habitude, puisque nous ne pouvons pas tout dire en une journée. Maintenant, nous nous sommes arrêtés au début du ministère de Papa Simon Kimbangu, que nous allons célébrer les 100 ans demain, parce que ce fut un 6 avril 1921, et après, nous allons faire la suite. J'attends vos avis et considérations. J'attends vos observations, vos questions, n'hésitez pas. Faites le partage maximum de cette émission, puisque vous avez dit que vous avez aussi des amis, vous avez aussi, comme Papa Rock me l'avait dit, qui aiment bien suivre Toteyana, mais c'est en Lingala. Maintenant, nous avons parlé de Papa Simon Kimbangu, et prochainement, nous parlerons de l'après 6 avril. Comment les gens se sont afflués en Kamba, comment on est venu l'arrêter, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que nous le ferons dans notre émission prochaine. Donc là, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour votre participation. Nous souhaitons déjà bonne fête de centenaire à tous. Et nous le savons bien que Papa Simon Kimbangu avait quitté Kinshasa hier, après avoir fait 5 mois. Et hier, déjà, il avait quitté vers 13h30 ou 15 comme ça. Et à 17h, comme nous, on essayait de suivre, il était déjà en Bazamou. Jusqu'au matin, avant que je commence l'émission, nous n'avions pas encore eu son arrivée en Kamba. Est-ce que c'était hier, à quelle heure? Est-ce que c'est aujourd'hui? Je crois que nous l'aurons bientôt ou vous l'avez déjà. Donc, une fois de plus, je vous dis bonne fête. Je vous souhaite une bonne fête. Surtout vous les jeunes, n'oublions pas dans nos prières ceux qui sont allés en Kamba. D'ailleurs, nous avons vu comment Kamba est submergé par des milliers de personnes. Et la route, même l'embouteillage, même au niveau de la route, là vers Gomebata, déjà il y avait hier un embouteillage. Parce qu'il y a tellement de véhicules qui sont allés. Ainsi, nous devons mettre ceux qui sont allés en Kamba dans nos prières, pour éviter qu'il y ait des accidents, qu'il y ait de ceci. Parce que là où il y a de tels événements, Satan cherche aussi toujours à semer la désolation. Et nous aussi qui sommes restés, soyons dans les prières. Répentons-nous, mettons-nous en ordre. Et que tous nos esprits se retournent vers Kamba, la nouvelle Jérusalem. Ainsi, nous avons terminé notre émission. Et nous allons faire notre prière finale. Préparons-nous pour prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux que nous autres offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, des siècles au siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a prouvé nos iniquités pour te louer dans ton ciel. Purifie-moi, purifie-moi, lave-moi tout entier, mon Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous de siècle au siècle au siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon début de week-end et bonne fête du centenaire à vous tous. Merci beaucoup pour votre attention.